Bon, ben, désolé, mais pour le contre-jour, hein, mais bon. Alors, donc, j'ai serré déjà une fois à 50 Nm. Je vais serrer une deuxième fois à 55. Donc, 50. Alors, 55 Nm. Voilà. Donc, alors, on blague. On blague 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Alors, je vais contrôler. 1. 4, 5, c'est bon, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, alors maintenant, il me faut un serrage à 90 degrés. Et après, il m'en faudra un deuxième. Alors, là, le 1 ici. Bon, c'est assez simple, hein, comme pour les bielles. Pareil. 90, c'est simple. Hein. Un quart de tour. Hein. Donc là, pas tout à fait. Encore un petit chouïa. Voilà. Ouais. Là, c'est bon. Encore un petit chouïa. Voilà. 2. 4, 5, oui, 6. 7, 8, 8, 9. Voilà, 10, je suis bon. Alors, il me faudra une deuxième fois. Une deuxième fois 90 degrés. Mais pour le moment, je vais arrêter le serrage de la culasse. Donc, je vais me marquer sur un papier
serrer une autre fois, une deuxième fois à 90 degrés. Là, pour le moment, je vais me serrer le carter de distribution. Parce que... voyons voir. Alors, deux petites secondes, je coupe. Parce que il me faut... Alors, les petites vis BTR devant. 2,5. Ah merde. Alors, attends voir, parce que je n'ai pas réglé là. 2,5. Voilà. Alors là, il faut pas que ça tombe dedans, hein, parce qu'autrement, je suis de la baise. Hein. Putain, si jamais ça tombe dedans, je suis de la nique. Faut voir. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, ça c'est bon. Alors, fais voir. Ici. Là, pour les foutre là-bas dedans, c'est le beau deal. Alors, voyons voir. Ça. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça devrait être bon. Alors, les petites vis BTR, c'est du 8 mm. Hein, donc. De 5. Ah, putain. Ah putain, je me suis raccroché, putain merde. Ah bah ça y est, j'ai plus la... Je me suis fait péter la croûte. Celle-là, je crois qu'elle va rester dedans. Putain, saloperie. C'est toujours le même bordel avec ces BTR. Bon, enfin, vous avez compris le principe. Bon, il me reste un coup à 90 degrés encore à tourner. Hein. Là, j'ai serré les vis BTR donc de 8 mm à 2,5. Et maintenant, je vais serrer le carter de distribution 25 newtons. Bon, alors, voilà, j'ai commencé à mettre donc l'arbre à cam ici, celui de l'admission. Donc, pour le faire, j'ai mis la poulie du vilebrequin repérotée sur le repère fixe du carter de distribution qu'on voit ici, la petite pointe là. Donc le repérotée juste en face. Ensuite, je monte l'arbre à cam. Donc, pour le faire, j'amène le petit repère de l'arbre à cam à peu près, hein, je dis bien. Alors bien sûr, le repérotée, c'est le cylindre numéro 1 au point moreau. Hein. Donc, ensuite, j'amène cet arbre à cam. Alors, le repère, plus ou moins en face le plan de joint de culasse. Hein. Bon. Enfin, le plan de joint de culasse. Le plan de joint de cache-culbuteur. À peu près. Puisqu'en principe, ils doivent tomber pile poil dessus. Ensuite, j'ai mis un linguet entre la chaîne et l'arbre à cam. Parce que, comme chacun le sait,
conserve leur bras cam en fonction de l'appui des cams, donc sur les poussoirs, l'arbre à cam il va tourner. Bon, là, en fait, je le serre et il tourne pas. Hein, l'arbre à cam, lui, il tourne pas, effectivement, puisqu'il n'est pas entraîné par la chaîne. Hein, puisque dès qu'on commence à serrer, c'est entraîné par la chaîne, donc ça part. Alors là, pour le coup, je l'ai attaché avec un fil de fer en attendant de la sortir. Hein. Donc là, j'ai mis un linguet pour éviter que l'arbre à cam tourne. Et maintenant, je vais pouvoir le régler pile poil en face. Voilà, une fois que ça c'est fait, ça sera terminé. J'enlèverai le linguet et terminé pour celui-ci. Hein. Donc, maintenant, je vais serrer l'arbre à cam. Donc, je vais vous poser sur le trépied. Donc, je vais arrêter là pendant deux petites secondes. Je vais l'éteindre et puis après, je reviens. Hein. Je préfère le faire au linguet parce qu'autrement... Autrement, on y passe un temps fou parce que bon, il tourne, alors faut le décaler un petit peu, faut tout redémonter, et ainsi de suite. Donc, pour éviter de trop m'emmerder, je prends un petit linguet, je le fais dans un bidon en plastique vous prenez ce que vous voulez, hein, de liquide de refroidissement, de bidon d'huile, de bidon de 5 litres. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, je le fais comme ça. Donc, maintenant, je vais le régler pour amener le repère pile en face. Le plan, enfin normalement c'est en face, normalement, hein. Normalement c'est en face le, alors, voyons voir, si ça se trouve il sera peut-être même bon, tiens, sans même y toucher il sera peut-être bon, voilà, normalement c'est au droit de la plaque acier ici, en face cette plaque ici là, voilà, donc, si en admettant je la mets, là c'est pas bon, donc je peux la tourner encore un petit peu. Voilà, c'est pour à peu près amener à peu près 60 degrés l'orientation des cames. Alors, voilà. Donc, au droit de la plaque acier. Voilà, là c'est bon. Là, c'est au droit de la plaque. Bon, je ne sais pas si vous y voyez bien. Bon, vous allez peut-être avoir un petit décalage parce que vous n'êtes pas sur le bon machin. Mais bon. Là, normalement, c'est bon. Ensuite, il ne me reste plus qu'à enlever le linguet. Alors, pour ce faire, je décroche ma chaîne ici. Voilà. Là, je le machine ici. Et voilà. Là, c'est bon. Bon, je ferai l'échappement tout à l'heure. C'est la même chose, hein, exactement la même. Hein. Vous enlevez tous les caches. Vous enlevez tout. Les chapeaux de palier. Hein. Vous posez votre arbre à cam. Par contre, là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour l'arbre à cam d'échappement. Parce que le souci, c'est qu'il n'y a pas assez. Après, on peut pas l'attendre. On peut pas détendre suffisamment pour mettre le linguet. Donc là, il va falloir trouver l'orientation. Après, on peut toujours essayer. Bon, ça m'est arrivé déjà de réussir à le mettre. Hein, donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc là, il n'y a plus besoin d'y toucher. Ici, c'est bon, maintenant. Donc, ce que je vais faire. Je vais serrer l'arbre à cam au couple et puis après je vais voir si ça bouge ou pas. Normalement ça bouge pas. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Donc cet arbre à cam c'est serrage 21. Donc voyons voir. Alors ça ici. Ça je le pose. Ici je le pose et ça c'est en 13. 21 newton mètres. Alors ça je le défais. 20, 20, 21, je vois, 4, 5, c'est bon. Alors, je vais voir. Alors, 20, 21 newton mètres. Nickel. Allez, alors maintenant il n'y a plus qu'à le serrer. Alors moi je le fais toujours en croix, donc à vous de voir. Alors je vais le faire en plusieurs fois. 1, 2, oh merde. 3, 4. Après je recontrôlerai. Maintenant ça risque pas de toucher le piston. Qui est au point moreau, puisque bon, là c'est réglé, alors je vais le contrôler après, hein, mais normalement c'est bon là. Alors,
Normalement, là, ça doit pas bouger. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, 5 paliers, 2 écrous, 10. Voyons voir. Nickel, ça n'a pas bougé. Je sais pas si vous y voyez bien là. Ouais, mais bon, le repère, vous allez peut-être pas bien le voir, le repère. Parce que. Enfin, vous allez peut-être voir le repère, mais vous allez peut-être pas le voir en face le joint. Enfin, en face la plaque. Hein, parce que. Ouais, là, il y a un petit décalage quand même, qu'on le regarde en hauteur. Parce que là, vous êtes en hauteur un petit peu. Bon, voilà, ça c'est bon. Pour le moment, je vais peut-être m'arrêter. Je vais aller manger parce que je commence à avoir faim. Et c'est quelle heure? Putain, c'est 2 heures. Oula. 2 heures, il faut que j'aille manger parce que là, j'ai trop faim maintenant. Et oui, ce matin, j'ai été obligé de régler le problème de pompe à huile parce que il se passait un gros souci avec la pompe à huile, c'est qu'elle était bloquée. Et en fait, comme c'est un moteur qui a été démonté depuis quelques années déjà, la luce a laissé un petit dépôt autour des pignons, mais sur l'aluminium. Et ça fait que le gros bordel, c'est que c'était tout collé, quoi. Donc il a fallu débloquer, il a fallu tout démonter, bien nettoyer, tout. Gratter un petit peu cette couche de machin qu'il y avait dessus, là. Et puis, remonter, quoi. Donc là, c'est bon, maintenant c'est réglé. Donc ça ici, ça là. Je vais voir quand même si je peux pas mettre un linguet. Mais pour le moment, j'arrête. Là, j'ai enlevé les chapeaux de palier. Donc là, pour l'instant, je stocke tout. Et puis, je vous reprends après. On va essayer. J'essaierai de remettre le linguet quand même. Bon, ça va pas être pratique, mais je vais essayer. Donc là, c'est bon. Ici, c'est nickel. Bon, là, je peux pas mettre les plaques. Là, pour le moment, je peux rien mettre. Ni les plaques, ni rien. Hein, il faut que je fasse les arbres à cam avant. Parce qu'autrement, on ne peut plus passer l'arbre à cam. Bon, là, je vais peut-être être obligé d'enlever ce goujon pour me faciliter la tâche, parce qu'autrement, je suis obligé de l'orienter en hauteur et puis de le remettre bien après. Donc, je vais peut-être l'enlever, mais bon, je le ferai avant de remettre en route le caméscope. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Je vais manger maintenant. Bon, nickel. En fait, le problème, c'est que j'aurais dû le laisser sur la première position où je l'avais mis, puisque c'était très bien. J'aurais dû le monter, je l'ai remis sur le maillon d'avant, où je l'avais mis la première fois, quoi. Donc, bon, là, c'est bon. Ça, c'est fait, c'est nickel. Là, maintenant, je vais serrer l'arbre à cam au couple. Donc, je vais monter les rondelles, le serrer au couple. Et puis là, ça sera fini pour la distribution. Après, il me restera juste le maillon à sertir ici. Donc là, il va falloir que j'enlève ce goujon. Et que je mette le maillon parce que je peux pas... comment dire? Je peux pas le tourner en marche arrière. Donc avec les rails, mon bout de ferraille, là, mon bout de fil de fer, il va pas passer. Hein, c'est pas la peine que je fusille tous les rails. Donc je vais le laisser tel qu'il est là, c'est pas un problème, hein, ça va se passer très bien. Donc je vais enlever juste ce goujon-là, je mettrai mon appareil et puis je sortirai le maillon. Donc voilà, hein, puisque je prends des maillons à sortir. Je prends jamais les maillons avec les attaches rapides comme les vélos ou les motos, là, avec le truc en fer à cheval. Là, ça, j'en veux pas. Hein. Je veux pas de ça parce que bon, si jamais ça saute ce truc là, bonjour les dégâts, quoi. Hein, on pète tout le moteur, donc je préfère mettre les maillons à sortir. J'ai l'appareil pour les sortir, donc c'est bon, quoi. Enfin, c'est pas à sortir, c'est à mater, mais comme j'ai l'appareil pour, donc c'est nickel. Bon, voilà, donc là c'est bon. Bon, je vais monter les rondelles, je vais serrer l'arbre à cam au couple. Après, je vais retourner le moteur et puis je ferai. Je fixerai la crépine et tout ça, puisqu'en fait il faut sortir la crépine et puis après je monterai le carter inférieur, comme ça après je pourrais faire le tour et tout ce qu'il y a monté, puisque j'ai pas mal de trucs à mettre en plus là, donc voilà. Bon, et ben ma foi, hein, je vous laisse et puis à plus, hein. Bon, là bien sûr je vais monter cette plaque là, après je vais avoir ça à monter en plus. J'en ai fait quoi de l'autre partie là? Il me manque une partie là. J'ai dû le mettre quelque part par là. Non. Tiens, c'est bizarre. J'en ai fait quoi de cette partie-là? Ah, si, il est là. Après, j'aurai ça monté. Et puis, ensuite, je monterai l'oreille. Après. Je vais voir, même si je peux pas le monter de suite, ça.
parti, je peux le monter de suite. Alors, je vais le monter de suite, tiens, comme ça, ce sera fait. Il faut pas trop que je m'encombre. Bon, là, de toute façon, ça gêne pas pour faire le matage, donc ça, c'est bon. Nickel. Bon, alors, ça ici, je vais les monter hein, avec vous, là, tant que vous êtes là. Voilà, donc, alors là, il ne s'agit pas de faire tomber les vis non plus, hein, bien sûr, parce qu'autrement, ça sera la merde. Il faudrait redémonter le tout, là. Peut-être pas la culasse, mais au moins le carter de distribution pour récupérer la vis si elle est tombée dedans. Voilà, ça. L'autre vis de 10, ici. Alors, voyons voir. Hop. Ça ici, c'est bon. Derrière, c'est une vis BTR derrière. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Bon, là, pour ça, il n'y a pas de couple. Voilà. Donc, ça, on fait 10. Voilà. Bon, voilà, ça c'est bon. Derrière, voilà, voilà. Ma clé, elle est là. Voilà, bon, ça je vais le poser là pour le moment. Je vais serrer ces deux là. Voilà. Attention à pas casser les vis dedans quand même. Voilà. Ok. Ça, c'est nickel. Là, il y a ça. Voilà. Maintenant, on va monter le rail. Alors, voilà. Jusqu'au cliquetis, hein, le rail. Jusqu'au clic. Hein. Voilà. Là, vous regardez s'il est bien enclenché dans le cran. Bon. Nickel. Pour pas qu'il sorte. Ça, c'est bon. Voilà. Bon, je vais monter les rondelles. Et puis je le serre au couple. Bah, vous voulez rester avec moi ou qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bon, allez. Mais reste avec moi. Allez, hop. Pour la totale. Voilà. Ouais, parce que vous verrez que quand vous voulez monter les arbres à quin, vous êtes obligé de les mettre sans rondelles au départ. Parce qu'avec les rondelles, ça passe pas. Les écrous, il n'y a pas de prise. Il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de grippe pour pouvoir choper le premier filet avec la rondelle. Que sans la rondelle, vous pouvez les choper. Donc, vous mettez sans rondelle et puis après, bah, vous les mettez par la suite. Une fois que vous avez trouvé votre calage. Voilà. Ça. Coup de clé. Voilà. Ça. Ici. Bon, j'ai toujours tendance à défaire dans l'ordre, hein, puisque là, il faut... Là, sur les deux vis saisissons, là, ça y est aussi, là aussi, bon, c'est bon. Voilà. On va une. On va deux. Bon, quand j'aurai fini ça, je ne serai pas mécontent parce que je flippe toujours. J'ai toujours peur de faire tomber quelque chose dans le carter. Hein. Bon, j'ai pas mis le carter inférieur encore en dessous exprès pour. Comme ça, si avec un coup de bol, si ça descend, mais en principe, jamais. Hein. Ça se coince toujours entre la chaîne et le rail tendeur, là, la grosse banane, là. Ou le sabre, au choix. Donc ça se coince toujours là. Oui, tout à l'heure, je vous disais de boucher les trous de bougie, parce que si vous ne les bouchez pas, si ça fait comme moi,
sur les veaux, enfin pas sur la mienne, mais sur une évo que je refaisais. Le gros souci qui s'est passé, c'est que j'ai un écrou qui a sauté. Je le cherchais partout, impossible de le retrouver, j'en ai monté un autre. Et en fait, cet écrou, il était tombé dans le puits de bougie, il est passé dans le trou. En fait, il s'est retrouvé au-dessus du piston. Donc, heureusement que je fais toujours deux tours de test avant pour voir si ça bloque. Et en fait, effectivement, bah, il était dedans. Donc j'ai été obligé de tout reculasser, de tout refaire. À coup de 400 balles le joint de culasse. Parce que sur une Evo, c'est un joint de culasse un peu particulier. Hein. Il coûte 400 balles. Celui-là, il fait mal au cul hein, quand on merde. Hein. Mais bon. Bon, là, ça y est. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là aussi, ça, c'est bon. C'est bon. Ok. Bon, les rondelles, ils sont. Donc ça, ici, parce que j'en avais du rap. Donc. Voilà. Ça, bon. Ça, c'est bon. Ici. C'est bon, c'est bon. Ok, ok. Allez, serrage au couple. Donc 21 toujours. Je vais le faire en deux passes. Et 10 et impeccable. Alors je vais recontrer un dernier coup. Nickel. Voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais le matage tout de suite ou je le fais après? J'en sais rien, tiens. Je ne sais pas trop. Non, je vais le faire. Ouais, bon. Là, il faut que je me trouve des chiffons et des trucs pour mettre là-dedans parce qu'il ne s'agit pas de perdre la plaque, même si la plaquette, elle est. Même si la plaquette, comment dire, était montée. Tiens, j'en ai deux jours. Alors, on va voir. Matage chaîne. Ok. Alors, voyons voir. Voilà. Alors, voyons voir. Là, ici. Voilà. Bon, bah, c'est pour les doubles chaînes déjà. C'est déjà pas mal. Voilà. Ça ici. Celui-là. Oui, c'est ça là. Ce petit appareil là. Et ça, c'est pour couper le maillon. Donc. Alors là, vous avez une face pour rentrer le. Pour rentrer la. Merde, là, comment dire. Ah, putain. Pour rentrer la plaquette ici. Et puis après, vous avez l'autre pour mater le bout de l'axe de chaîne là. Voilà. Donc. Bon, je vais m'arrêter 5 minutes, je vais aller boire un petit café parce que j'ai mangé mais j'ai pas bu le café. En plus j'ai un coup de fil à passer maintenant là. Qu'il va falloir que je fasse. Donc voilà. Là je crois que c'est pas celui-là qu'il faut que je mette. Ah si, c'est celui-là.
Bon, allez, je vous coupe 10 minutes, un quart d'heure, le temps que je vais boire un café. Après, je reviendrai. Bon, alors, pour ce faire, il faut déjà commencer par choisir les bons outils. Donc ça, cet outil-là, c'est pour le matage de la chaîne. Vous avez l'autre, qui lui est pour justement démonter le maillon, enfin, pour démonter un maillon, qui est celui-là, hein, qui est un peu particulier quand même, hein, vous voyez. C'est-à-dire que dedans, c'est une pointe. Ici, il y a une pointe à l'intérieur, là, on la voit d'ailleurs, elle est brillante, là. Et en fait, ça vous enfonce le maillon à travers la chaîne, et c'est comme ça qu'on les démonte. Bon. Donc celui-là, on va le laisser de côté parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc on prend celui-ci. Il s'agit de prendre les bons outils. Hein. Ensuite, on va prendre... Alors... Celui-ci, c'est pour démonter le maillot. Alors, tiens, il est où l'autre? Ah, ben, l'autre, je l'ai dans la poche, je crois. Oui. Parce que je l'avais... non, c'est pas celui-là. Parce que je l'avais déjà choisi. Alors, attendez voir. Ah, je l'ai laissé dans la poche. Bon, attendez. Je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, je l'avais laissé sur l'établi, comme on a dit. Donc, pour le matage de la chaîne, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Je ne sais pas si vous y voyez, là. Oui. Enfin, il est un peu particulier, quand même. Voilà, il est comme ça. Voilà. Donc, ici, on va le mettre en place. Donc, voilà. Alors, maintenant, il faut le fixer. Si je trouve la vis, évidemment. Je ne l'ai pas laissé. Si, ici. Donc, là derrière, il y a une vis pour le maintenir. Donc, on va mettre la vis. Enfin, ça, vous savez le faire. Hein. Si vous attaquez la distribution, vous savez automatiquement mettre une vis. Donc voilà, je ne peux pas me servir de ce doigt-là, je me suis fait une piqûre avec un bout de fil de fer. J'ai senti rentrer le bout de fil de fer dans le doigt et putain, maintenant j'ai mal. Alors voilà, ça c'est serré, c'est bon. Ensuite, il faut prendre le maillon de matage. Alors, l'enclume de matage. Il y a 2 modèles. Vous avez celui-ci, qui est pour une chaîne simple, Mercedes, toute petite. Et ici, vous avez la grosse, comme ça, là. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un maillon, là? Voyons voir. Oui. Enfin, c'est pas vraiment un maillon de 290, mais je vais pouvoir vous le faire voir. Quand même. Si j'arrive à l'enlever. Oui. Voilà. Donc, celui-ci, vous voyez, il est aimanté, celui-ci. Donc c'est celui qui maintient la chose là, vous voyez, tchouc, qui maintient le maillon, voilà, comme ça. Là il est bien en place, merde, par terre. Alors, comme ça, voilà, bon. Ça va pas très bien celui-là. Alors, je vous reprends dans 2 secondes, le temps d'en prendre un autre. Voilà, donc, ici, vous voyez, toc, ça le met en place et ça le maintient en place. Voilà, comme ça, vous pouvez le bouger, ça ne craint plus rien, ça ne tombera pas. Donc ensuite, bah, il faut le mettre dessus. Alors, voyons voir. Bon, vous allez voir que sur cette pièce-là, il y a 2 positions. Il y a celle-ci, où ça maintient la pièce, et puis il y a l'autre ici, là. Celle-ci, là. Là, c'est celle qui vient mater le bout du maillon, là. Qui vient mater l'axe là. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la forme qu'il a là, ici. J'en sais rien, je vais vous le faire après. Bon, je l'ai maté déjà. Hein. Donc, mais c'est pas grave. Hein. Toute façon, je me reprends. C'est la même chose. Hein. Bon, j'avais déjà fait une vidéo hein, sur le sujet. Voilà. Donc là, voilà. Mon outil est en place là. Alors, voyons voir. Là. Bah après. Il n'y a plus qu'à... Attends, voyons voir, je vais essayer de vous descendre un petit peu. Voilà. Et ben ma foi, après, il n'y a plus qu'à venir le poser sur le maillon. Celui-ci, vous le mettez là, c'est pour rentrer, parce qu'il rentre en force, celui-ci. Hein, il rentre un peu de force, quand même, parce que le diamètre des perçages est plus petit que les axes. Hein, donc ça, c'est pour emmancher
la plaquette dans les axes. Donc, voilà, vous venez vous mettre à cheval, vous le vissez, et puis après, vous prenez à la clé et vous serrez. Une fois que ça c'est fait, voilà, donc là, il n'y est plus, vous le tournez de sens, de façon à venir vous mettre, alors, voyons voir, ici, comme ça. Voilà, de façon à vous mettre sur cette partie-là. Ensuite, bah vous n'avez pas. Merde. Que je ne fasse pas tomber dedans. Hein. Donc voilà. Voilà, comme ça, il ne tombera pas. Après, vous n'avez plus qu'à venir vous y mettre dedans. Et vous serrez. Et ça vous maille, et ça vous mate. Le petit bout, les axes, que je vais vous montrer ici. Alors, voyons voir. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Vous voyez, ici, là, ça vous mate les extrémités des axes, là. Comme ça, la plaquette, si jamais elle venait à sortir, ce qui est peu probable, parce que la plaquette est emmanchée à force avec le premier outil, vous venez mater les axes avec le deuxième outil qui fait que ça maintient la plaquette en place si elle devait se sortir. Voilà. Bon, c'est simple. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Il y en a qui le font au marteau. Moi, j'aime pas trop ça, le marteau, parce qu'il faut bien le faire. Hein. Parce que bon, c'est une distribution, donc si ça casse, pas clair. Donc, il y en a qui prennent le marteau, donc qui viennent mettre le marteau derrière ici, et puis qui tapent sur l'axe pour bien le mater. Mais bon, j'aime pas trop ça, hein, quand même. Autant avoir les outils. Si on les a, autant le faire. Bon, moi, je les ai achetés. Je les ai, ça coûte pas très très cher, donc c'est bon. Donc voilà, c'est vite rentabilisé, hein, cet outil-là. Donc voilà, bon, la distrib est finie, donc j'ai été obligé de recaler, effectivement, parce que c'était bien la deuxième position qui était la bonne. donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà qui est fait. Bon, donc, c'était tout. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur le sujet, enfin une autre vidéo sur ma chaîne. Bah, il suffit de chercher, vous allez le trouver. Hein. Je pense que j'étais sur une 2 litres 5,16 à l'époque. Je ne sais même pas si c'était pas sur Maevo d'ailleurs. Donc à voir. Hein, vous regardez, vous le trouverez. Hein. Voilà. Bon, ça c'est fait. Bah, de toute façon, je vous mets la fin de la vidéo que j'ai faite. Parce que j'avais pas fait gaffe, mais j'ai eu une coupure. Donc. L'explication de l'outil, c'était manquant. Après, ça a repris juste au moment où j'enquillais l'outil dessus. Et puis, une coupure, juste à la fin du matage, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre ce complément-là. Voilà, voilà. Bon, voilà, j'ai installé l'enclume, tout. Hein, j'ai plus qu'à, maintenant, j'ai plus qu'à serrer. Voilà.